Je rêvais. Oui, j'ai rêvé tout éveillé. Ça m'arrive parfois, pas vous En fait, moi, je pensais aux vacances de l'été dernier. C'est un temps très spécial. Mon mari, mes enfants et moi, nous avons passé deux semaines au bord de la mer. Ça nous a fait un bien énorme à nous tous. La mer, pour moi, a quelque chose de magique. Toutes ces vagues qui s'avancent et qui se recouvrent les unes les autres, parfois elles sont tranquilles, régulières, elles s'avancent en portant leur couronne d'écume blanche qu'elles viennent déposer sur la rive, comme en disant ⁇ mission accomplie ⁇ À d'autres moments, elles sont comme des petits enfants. Elles sautent, elles gambadent, et puis elles se jettent une contre l'autre comme dans une course folle où la première voudrait surpasser celle qui la précède. À d'autres moments, elles paraissent furieuses. Elles se lancent en avant avec une force énorme prête à engloutir tout ce qui est dans leur chemin. Ces vagues-là, elles peuvent causer la destruction, même la mort. Ça a été le cas pour le tsunami de l'océan Indien en 2014. Ça fait déjà plus de dix ans. Quelle force énorme qui s'est déchaînée à ce moment-là. Moi, par contre, j'ai un autre tsunami dans ma mémoire. C'est Celui de 2015 seulement. Oui, c'était au nord d'un pays appelé le Chili. C'est pour ça que la mer m'attire tellement. Parce que je viens de ce pays, le Chili. Longé sur toute son étendue par l'océan Pacifique. Un océan, c'est une mer immense. Quel spectacle celui de la mer! Mes souvenirs d'enfance et même de jeunesse sont toujours reliés avec la mer. Je me revois encore assise sur la plage à côté de ma mère en jouant sur, avec le sable. Et même de lui avoir demandé si les vagues comme moi allaient se coucher le soir venu. Je me rappelle d'un jour d'avoir eu très, très peur parce que des gros nuages gris sont arrivés et le vent s'est mis à souffler. Et tout le monde essayait de ramasser les choses que le vent apportait toujours plus loin. Ah oh oui, ça m'a fait vraiment peur. Ces souvenirs-là m'est resté toujours dans la mémoire. Et c'est ce qui me revient quand je lis dans l'évangile le passage où les apôtres sont dans leur barque au beau milieu d'un lac. En fait, c'était pas un lac, c'était la mer des Galilées. Eux aussi, ils ont eu très très peur. Je comprends. Ils n'arrivaient pas à vider la barque de l'eau que les vagues continuaient à y jeter. Et le vent, Souffler un rafale et parfois, pour mieux me rappeler la scène, je vais dans mon ordinateur regarder justement des images. Mais le plus extraordinaire dans tout ceci, c'est que Jésus, la tête appuyée sur une liasse de corps, dormait. Moi, à chaque fois que je lis ça, je suis complètement ébahi. Pouvez-vous imaginer? Et par une tempête pareille, quelqu'un puisse dormir tranquillement dans une barque prête à couler. Jésus devait être complètement épuisé après une journée de, de prédication, ça c'est évident. Mais ce qui s'est suivi est loin d'être évident. Réveillé par ses apôtres qui n'arrivaient plus à se contenir, Jésus s'élève et ordonne au vent et à la mer de se calmer. Et eh oui, c'est ce qui est arrivé. Tout se calme comme s'il n'avait jamais eu de tempête. Puis, regardant ses apôtres, Jésus leur demande pourquoi ils ont eu si peur. Franchement, pour moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus déroutant. Si Jésus, commandant la mère qui lui obéit, ou la question qu'il pose à ses apôtres, effrayés par le déchaînement de la mer. Et puis, je pense à mes propres tempêtes, ma colère pour un rien, mes rancunes qui me rendent un peu amère, des propos un peu irrespectueux avec certaines personnes, et puis mon orgueil. Et je préfère m'arrêter là. Et mes peurs, elles me sont bien connues. Mais je préfère ne pas en parler à haute voix. Si Jésus me demandait à moi pourquoi j'ai peur de mes tempêtes, je pense que je ferai comme ses disciples et je garderai le silence. Mais je suis certaine qu'il pourrait ramener le calme au plus profond de moi, si seulement je lui demande de le faire. Et il le ferait pour vous aussi. Aucune raison d'en douter.